Les héros, c'est le meilleur contenu sur la chaîne. Ah ouais, vous aimez bien ou quoi? Non, sérieusement. Vous aimez bien les héros d'Oregon? On parle du bootcamp? Ah, je sais pas, regardez le sub goal, il s'est un peu changé quand même d'en haut là. Il n'y a pas grand chose, il reste plus rien sur le truc. Ok? Bon, les amis, aujourd'hui est une grande journée pour les héros d'Oregon. J'ai une petite surprise pour eux ce soir. Ils ne sont pas au courant. Vous n'êtes pas prêts, hein, Excelsior, Nito, Sinaz. Je vous êtes pas prêts, hein. Pas prêts, MDR? Ah non, vous n'êtes pas prêts. Il y a quelqu'un qui doit passer sur le campus de la Salty Academy. Vous allez voir, vous allez voir. Remember it. Ok, ladies and gentlemen. Ah, ça me fait bizarre de vous voir en grand, là. Mince, et du coup, je peux... Eh, pourquoi ça fait ça? Ah, David Guetta. Ah ouais. Ah, j'adore. Vas-y, remets. Vas-y, remets David Guetta, l'autre. Attends, je sais plus. Ah ouais, bien sûr. Bah ouais, nickel, impeccable. Vas-y, fais-nous un mix. Ah là ouais, là. Les poteaux, c'est la cité. Arrête. Je laisse vraiment ça par contre. Ouais, vas-y, là t'es bien là. Là c'est mais sérieux. Il veut pas me prendre pour. Sérieux? C'est pas une offre d'emploi qu'on okay. va te faire. Hein. Ah, je sais pas, en plus, il y a plein de trucs, moi je sais pas. Hein. C'est quoi la grosse annonce? Ça arrive. Y en a, ils sont pas patients. Hein. Eh, vous êtes prêts? Là vous me voyez. Et là vous me voyez plus. Quelqu'un peut l'arrêter. Est-ce que tu peux ne pas revenir du coup hein, quand on ne voit plus? Ok. C'est bon, super. Bonjour tout le monde. Allez, bonjour. Vas-y. Salut. Bravo pour votre victoire les gars, c'était stressant. J'ai fini ça après, mais heureusement que vous avez gagné. Je vous cache pas. Piz, il a dit que tu ressemblais à Jérémy Ferrari. Non, c'est marqué dans le chat. C'est marqué dans le chat, j'ai lu le chat. Ah, mais c'est Jérémy Ferrari. Non, mais j'ai lu le chat. Ok. J'ai pas la ref, je suis désolé. Moi non plus. Je sais même pas c'est qui. Attendez, on va vous dire des trucs là. Et les autres, ils commencent déjà à faire des comparaisons là. Ah, mais là, s'il vous plaît. Là. Bon, allez, taisez-vous. Tiens, vas-y. Dis-nous qui tu es. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu fais, machin? Ah, vas-y, tranquille. Tailleur alias Pierre, je suis président cofondateur de Omino. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'en entendre parler. Structure e-sport depuis maintenant 3 à 4 ans. On fait du coup production audiovisuelle, on a des locaux, il s'avère, en région parisienne. On est sur Counter-Strike, Valorant, Fortnite et on a une équipe aussi sur Trackmania. J'ai suivi le projet des héros depuis ses débuts. Déjà, je suis très content de la tournure que ça prend et du groupe que vous avez formé. C'est pourquoi aussi, avec cette super collaboration de 6-4 et son implication folle dans ce groupe, j'aimerais vous proposer du coup un bootcamp sur Paris très prochainement. Je sais pas si les dates sont déjà sorties. 16-17. Mais donc très 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 prochainement, donc vous avez pas intérêt à lâcher les entraînements, je vous le dis. Et du coup, avec toutes les conditions pro qui s'ensuivent, donc vous aurez votre salle bootcamp, vos matos pro, j'espère que vous aurez la cool aussi d'une équipe pro et aussi ça passera justement par le logement et autres, donc c'est vraiment un week-end pro et on espère qu'il y aura du résultat à la hauteur de ce qu'on va mettre à disposition pour vous. Alors déjà... on aura des PC de compète et tout. Ouais. Voilà, ouais. Ah ouais, et puis on a oublié de vous dire aussi, vos parents sont dans le coup. Mais il y en a, forcément, ça fait longtemps que vos parents... Ouais, mon père, il m'a fait regarder pas mes messages. Ok, bah déjà, toi, tu viens avec ton père, déjà, parce qu'il te l'a pas dit, mais il vient avec toi, du coup. Claude nous accompagne jusque là-bas. Et Sinaz, Red War, Tino, vous y allez en avion, aller-retour. Air France. Let's go. Vous avez déjà pris l'avion? Non. Ah ouais? Ah toi, t'as jamais pris l'avion, Red War? En fait, non, j'ai jamais pris l'avion, moi. Eh, j'ai une question à poser, Six. Ouais. Imaginons que j'y allais pas en voiture. Tu serais allé en avion? À pied? C'est une question. Ah bah tu te démerdes avec ton père, hein, c'est lui qui a voulu décider d'emmener le truc. Hein. Bon bref. Et du coup, qu'est-ce qu'on... Arrête mon pis, s'il te plaît. TG, mon pis, tu verras ça plus tard, tu vois pas que tu l'emmerdes. Il alors est que... insupportable. Il est insupportable. C'est quand même quelqu'un d'important là? Non, c'est très drôle. Et si du coup, au niveau de l'hébergement, est-ce que t'as des petits trucs à nous faire voir ou est-ce que je les montre moi en live? Je te laisse prendre la main là-dessus parce que je suis pas sur un setup fou, donc à tout moment je vais tout faire sauter. Donc, ok, donc déjà on va commencer par le bootcamp. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je regarde le site, putain la vache, ça déconne zéro. On essaye. Elle est PC mon pote. Ah ouais. Ah ouais.
incroyable. Il n'y aura pas d'excuses normalement sur le matos, donc c'est vraiment la perf, les gars, c'est vous. Ah, tu peux nous en dire un peu plus alors, du coup ? Bah là, en soi, les PC, donc on vient de rénover un peu notre salle bootcamp, donc on a le matos est quasi neuf, on a fait deux bootcamps depuis qu'on les a reçus, c'est vraiment tout nouveau, on les a fait opti pour R6 aussi. Après, la config bah, est dispo sur le site, je peux vous la ressortir si vous voulez, après, dans, grossièrement, c'est 3070. 3070, voilà. Des i7 qui sont plus gros que le mien, mais bon, de la petite RTX 3070, et il y en a, ils vont pas vouloir partir, hein, je te le dis. Hein. Du NVMe 500Go, ok, ouais, bah, c'est top, ouais. Ça c'est 240 FPS minimum, ça. Attends, je peux cliquer sur les photos ou pas? Attends, pardon, putain, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu la salle de rediff. Il y a un coin où effectivement vous pouvez mettre rediff, mais étant donné qu'on vous a un peu réservé, au-delà de la salle bootcamp, on vous a un petit peu réservé les locaux, vous allez avoir plusieurs accès pour vous mettre à l'aise. Vous aurez certaines dispositions, je peux pas vous donner la totalité parce qu'il y a aussi des gens qui travailleront à côté. Vous inquiétez pas, il y a des petits bonus. C'est incroyable. Ouais, ça va être une dinguerie. Oh là là. Le staff peut venir aussi. Aïe aïe aïe. Ça dépend, les modos, tu les comptes dans le staff ou pas? Non. C'est mort. Il y a combien de mètres carrés? 350 actuellement. 350. Bah, vraiment. Et je vais racheter les locaux, moi. Ouais, commence à économiser, t'as déjà du mal à lâcher un seul. Et après, donc du coup, je vais regarder les autres trucs que tu m'as envoyé. Il m'a envoyé plein de trucs de ouf. Voilà là où on sera logé, du coup. Mytho. Non, bah écoute, Mytho, avec un peu l'intérieur du coup. C'est un château. C'est un... Une demeure à votre hauteur. Demeure de héros, on m'a dit que c'était les héros qui venaient. Ouais, un bien, là c'est trop, frère. Je crois qu'ils ont pas, ils ont pas tout vu. Je vais là-bas, juste en faisant le con. Ah ouais, c'est nul. Mopize, frère, rappelle-toi du dernier endroit où tes parents t'ont vu et vont te voir. Que si tu nous fais chier, tu reviendras pas. Après, il y a une piscine. Oh ouais, non. Franchement, respect à celui qui a organisé ça, parce que franchement. Et 20 minuit tout nu, let's go. Ouais, bah tout seul, du coup. Ouais, hein, tout seul, ouais. Ouais, on peut pas rester plus longtemps que deux jours. Non, elle a dit, matin, ça va piquer. Hein. À 7h, vous êtes dans l'avion, ceux qui rentraient sur Marseille et sur Paris. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je suis heureux là, je vais pas dormir là. C'est dingue ça. Je pense pas que tu pourrais faire mieux. Hein. Est-ce qu'on pourrait négocier un maillot domino? Ah ouais, l'autre, il est déjà en train de gratter. Écoute, on en reparlera quand tu seras là. Bah attends. Il se passe quoi du coup samedi et dimanche? Après, je pense que votre coach vous donnera le planning de l'organisation là-bas. Ouais. Bah, ravi que ça vous plaise déjà. Oui, on va vlog. Bah ouais, il y a eu le sub goal qui a été remporté, donc bien sûr. D'ailleurs, ce sera vlogué par moi. Non. Non. J'attends mes acclamations. Ouais, clairement, vieille chips. Merci, mon poulet. Ce sera du coup du 13. Vous partez le 13 au soir. Enfin, le 13. Le 15. Le 15. J'ai eu peur. Moi j'ai peur aussi. Vous partez le 13 au matin. Non, je rigole. Vous partez le 15 au soir. Donc tout le monde arrivera assez tard le soir. Ce sera après 21h quasiment. Lundi matin, retour, tout le monde au berceau. Ok? Ouais, j'ai juste un truc à dire. Oui. Juste un truc à dire, c'est que en fait, quand on va être au bootcamp, on va dire on a envie de rester au bootcamp. Et quand on va être à la maison, on va dire j'ai envie de rester à la maison tellement la maison elle est bien. C'est ça ton intervention. C'était ça ton intervention. En tout cas, un gros merci à Chip. Ah, c'est fort. Ouais. Vous faites du bon, bah merci à toi, Thaï, et puis on se retrouve là-bas du coup. Yes, avec grand plaisir. Et bah merci infiniment. S'il vous plaît, est-ce que tout le monde, Omino n'a jamais mis les pas sur Rainbow Six, donc il y a la fusion des deux communautés ne s'est jamais faite, donc c'est vrai que je serais pas surpris qu'il y ait des personnes qui connaissent pas pour le coup la structure aussi grande soit-elle. C'est même sûr. En termes de contenu sur les réseaux sociaux, c'est vraiment une équipe à suivre, vraiment. Et je dis pas ça parce qu'ils nous invitent. J'ai marqué Omino, j'ai trouvé du café. C'est pas sûr qu'il vienne au final. On n'a jamais mis les pieds sur R6, donc c'est aussi une grande prière pour nous, et c'est pour ça que ça nous fait aussi plaisir de commencer avec vous. Toucher au multigaming, à la ZLAN et à Trackmania à Bercy, mais là on veut du coup marquer un peu le coup sur R6 et vous faire venir vous pour commencer cette première approche. Bon bah merci infiniment en tout cas.
Omino sur Valorant. Ah, il est en rupture le t-shirt. Bah, c'est probable. Ah, il est vraiment trop joli pour le coup. Et n'hésitez pas à spammer les GG, les cœurs, s'il vous plaît. Et ça a été un mois et demi de préparation pour faire quelque chose de propre. Et comme quoi, quand on se bouge un peu le cul, on peut essayer de faire des choses relativement, je trouve, cool. Merci Tyord, merci Poulet, merci d'être passé. Et puis on se retrouve vendredi, t'es un monstre. À la prochaine. Salut les gars, bonne soirée. Merci à toi, bonne soirée, ciao. Oh, c'est une dinguerie ce gars, je l'adore. Ok, bon, ça vous fait plaisir ou quoi? Ah, de ouf, genre énormément. Regarde, j'ai ouais, il y a Patrick, il y a pas tout. Je suis avec Fabien, donc tu le connais ce nom. Là, il y a Excelsior, Sinaz. Et... Attends, je mets ma cam. Non, oh putain. Je vous aime, monsieur, je vous connais pas, mais c'est pas grave. Je suis très content en tout cas d'avoir pu mettre ça en place. Forcément, ça a été aidé par tous les sub-goals, bien évidemment, qui permettent, de faire en sorte de. Pas les sub goals autant pour moi. Bon, les sub goals ça a été plus le motivateur pour pouvoir faire tout ça. Regarde, mais merci beaucoup pour les donation goals parce que c'est pas ce n'est pas juste pour le coup c'est la majeure partie des personnes qu'il faut remercier c'est Tyord avec Omino. C'est la majeure partie des personnes avec c'est Tyord avec Omino et bien évidemment les donation goals donc vous en fait les personnes il va pas fermer sa gueule c'est horrible les personnes qui ont rempli la barque est juste au-dessus de moi quoi voilà je vous avais promis qu'on ferait un truc bien je pense que là c'est pas mal et après bien évidemment vous aurez dans les 10 prochains jours qui séparent la date un planning un peu plus détaillé de ce qui attend le samedi et le dimanche. Voilà. Ferme-la ! On entend que toi ! Ah la vache. Donc ça, c'est le premier point. Et puis l'autre... Heureusement qu'ils ont un grand jardin parce que je te jure, tu vas terminer dedans. On l'a dans la piscine, on l'enterre dans le jardin. Terminé, rideau. Au revoir. Merci aussi aux parents qui sont derrière, comme le papa de Nito. Ouais, ouais. Voilà, je disais merci aux parents, Patrick, d'avoir été dans la confidence. Je vais pas faire des clins d'œil, mais ça a pas été simple avec tout le monde. Il y en a qui sont un peu flippés quand même de laisser partir les petits-enfants. C'était de la grande négociation. C'est le résultat de 2-3 semaines d'application. Et je peux pas me concentrer avec l'énergumène en haut à droite, là. Oh mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Bon, en tout cas, merci. Patrick. Merci pour ce que tu fais, merci à toi mon poulet. C'est cool, vraiment. Hey Patrick, je vous aime. Qu'est-ce qui... Ah yeah. l'autre il est entouré de champignons, il est sous MDMA. Voilà. Il est plus champion en fait. 14 quoi, piges. Il va taper les 200 pompes maintenant là. Qu'est-ce qui se passe? Allez, on va faire des pompes, allez. Quoi les carbures, lui. Ah ouais, on sait pas. Je sais pas quoi les carbures, mais bon. Aïe. Je promets de vous rendre, Nito et les autres, enfin Tino et les jeunes mineurs en un seul morceau déjà. Ça serait déjà pas mal. Ils seront en live et tout. Ils seront en live 24/24 quasiment. On va regarder un petit peu. Fais un bisou, les gars. Merci, Patrick. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ciao. Merci, monsieur. Bye. Ciao, Fabien. Eh, on aurait dit un animateur de énergie un peu. Non, mais. Mais t'as pris quoi? Eh, avec tes champignons autour, mais c'est mais... vrai en plus. What? Mais t'as pris quoi? T'as mangé quoi? T'as bu du sucre ou quoi? Non, mais j'ai mangé des champignons de Paris. Non, comment ils s'appellent les champignons là? De Paris. Non, les champignons des schtroumpfs. Ouais, des bonbons, tu voulais dire. Merci, voilà pourquoi j'ai pas d'enfant. Merci, ZZX5, d'avoir offert la possibilité. Vas-y, stream, mec. Non, mais ça se voit, moi, peut-être que je suis content quand même. Ouais, on voit ça. Ta tête, t'inquiète. Bon, en tout cas, ça me fait plaisir si ça vous fait plaisir, les amis. Vendredi, samedi, dimanche, lundi. Let's go to Paris. Ok. To the top. Vendredi, samedi, dimanche, lundi. Ouais, essaye pas de comprendre, on t'expliquera, t'inquiète. Et on parlera par part. Et tu nous passeras un adulte. Hein. Ok. Ouais. Là, il y a une connexion qui s'est pas faite. Je vous laisse les petits héros là. N'oubliez pas les tapis de souris hein, quand même. Ouais, et du coup, les reçoit quand même. Les tapis de souris, j'oublie pas surtout. Mais ça, après, ils font ce qu'ils veulent. Et donc, attends, c'est quoi la marque déjà des tapis de souris? Yumtis, c'est Iku, Yumtis. Mais t'es con ou quoi? Non, attends, Overa. Oh, Attends, tu connais pas Yumtis? Incroyable.
Non. Oh putain. Tu vas pas Farid. Elle a... Oh merde. Donc t'as un tas de conneries. Elle a fait les 25. Un tas de conneries à dire, mes frères. Mais pas non, mais tu connais pas Youngtis. Attends, Young... Attends. Attends, non, t'as pas, écoute-moi. Regarde la caméra. Regarde la caméra. Tu connais pas Youngtis. Ah si. C'est quoi? C'est un ours polaire, ça, non? Un ours polaire avec t'es vraiment un droguiste. Ah mais si, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure, non? Oh putain. Non mais t'es... Attends, tu prends vraiment de la drogue? C'est pas possible. Attends, mais Youngtis... Mec, t'es sérieux? Bise. Youngtis. Attends, mais t'as commencé Rainbow Six il y a combien de jours? Il y a 2 jours. Il y a 2 ans. Il est né. Il y a 2 ans? Ouais. Ah, attends, on t'a perdu là. Ouais, reviens. Reviens, Gérard Majax. Ah ouais? Excuse-moi, c'est les champignons, ils m'ont appelé. Excuse-moi. Ouais, tu disais. Oh la vache. Oh non. My god. Il y a 2 jours avec. 20, 48 heures avec, 48 ouais, heures. Franchement. Mon Dieu, les gars. Mopis, il faut que je te remercie pour un truc. Tu me donnes vraiment, vraiment, tu me confirmes et tu me confirmes qu'il faut pas que j'ai d'enfant, quoi. Merci, mon poulet, vraiment. De rien. Non, franchement, vraiment. Youngtis, c'est mon équipe avec laquelle je suis champion du monde, espèce de trou du cul, c'est mes propres tapis. Il a pas compris, en fait, que tout à l'heure, on était en train de bugger des fous pour un tapis de souris. Oh la boulette! Ouais, oh la boulette! Prends ton neurone! Oh la boulette! Putain, oh, la boulette. Je vais quitter mon taf vendredi soir, je vais me taper un gamin comme ça tout le week-end! Ah, t'es champion du monde! Comment ça, je suis animateur! Je croyais que t'avais gagné qu'une Pro League! Bon, allez, bref, merci les amis, c'était cool! Merci, bonne soirée, coach. Tout le monde! Merci profitez beaucoup. Bien! Ciao! Mopis! Say no to drugs! À mardi prochain!